Y'a tout le monde les amis, c'est Isgeek. Aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo sur la Strong Clan les potes. Donc voilà, donc aujourd'hui c'est moi qui suis chargé de vous concocter un petit commentaire pour vos oreilles. Et aujourd'hui on se trouve pour parler d'un petit top 5, voilà. Mais avant de vous parler de ce top 5, je vais tout d'abord vous parler du gameplay qui se déroule sur Call of Duty Black Ops 3. Une petite nucléaire en groupe de 3 à l'HV40 réalisée par Namzi. Donc gros GG à lui, n'hésitez pas à le féliciter dans les commentaires et à aller voir sa chaîne qui sera bien évidemment dans la description. Et voilà, donc moi je vais passer à mon petit top 5, voilà, qui est le top 5 des meilleurs snipers sur Call of Duty, donc voilà, tout Call of Duty confondu. Donc voilà, donc il y avait des snipers qui nous ont fait vraiment plaisir, il y a des snipers qui nous ont fait pleurer, crier, enfin tout ce que vous voulez quoi. Mais cette fois on va parler des meilleurs, donc on va commencer tout de suite. À la 5ème place on se retrouve avec le DSR 50 de Call of Duty Black Ops 2. Et je parle évidemment avant le patch de ce DSR 50 parce qu'au début du jeu c'était une putain de tuerie sa mère. Pardon, excusez-moi. Donc voilà, donc c'était vraiment un truc de malade ce DSR 50 avant le patch, il faisait vraiment plaisir. À la 4ème place on se retrouve avec l'USR de Call of Duty Ghost. Voilà, donc un peu de Call of Duty Ghost, ça fait plaisir. Donc on pourra toujours dire que Ghost c'est de la merde, mais franchement pour les snipers ils ont vraiment assuré sur Ghost. L'USR il était vraiment bien, les quickscopes ils passaient super crève. Et franchement il faisait plaisir ce sniper. À la 3ème place on se retrouve avec le MSR de Call of Duty MW3. Donc vraiment un sniper du lourd quoi. Pour les flashcopes il passait vraiment crème. Il n'avait quasiment pas dit de marqueur, c'était vraiment un sniper de dingue. À la 2ème place on se retrouve avec le Morse de Call of Duty Advanced Warfare, voilà. J'ai trouvé vraiment très bonne l'idée de recharger à chaque balle, ça nous évitait de tomber en manque de balles à chaque fois, du coup c'était vraiment bien. Il avait une très grande puissance, pardon, excusez-moi, et vraiment on se faisait plaisir avec. Peut-être que les déplacements n'étaient pas très adaptés avec ce sniper, mais vraiment il était quand même bien. Et à la première place, je pense que vous attendez tous, c'est l'intervention de Call of Duty Modern Warfare 2, le meilleur sniper de tout Call of Duty confondu. Le meilleur, tout simplement, il n'y a rien à dire, il est parfait ce snipe, il est parfait, qu'est-ce qu'il y a, il est parfait. Tu dis qu'il est pas parfait? Tiens, lui dans ta tête, voilà. Bref, il est parfait ce snipe, il est tellement bien. Franchement, moi j'ai pas trop joué à MW2, mais le peu de fois où j'ai joué, je me suis amusé avec ce sniper, même si à l'époque j'étais vraiment pas bon. Je me suis amusé, voilà, donc c'est ce qui importe. Donc voilà, donc j'ai fini ce petit top 5. S'il vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner à la Strong Clan, à aller checker ma chaîne qui sera bien évidemment dans la description. Moi je vous dis à la prochaine, bye bye. Just a place they can go. Collection plate comes around. They acting like they be broke. Ice all on their head, but ain't a check to be broke. Couple likes on your video, a handshake from the priest. Even though you ain't paid, feel like you got a receipt.